Bonjour YouTube, bienvenue pour cette 53e VOD de Elden Ring. Que nous attend-il derrière cette ouverture, cette entrée, après cet ascenseur de ces morts? Nous allons le découvrir tout de suite. Oui, nous respectons votre autorité, mon cher Vince. Et je vais partir, attendez. Je sais, je le sens, évidemment. Oui, évidemment, on connaît le jeu comme si on l'avait fait. Chut, c'est fou. Bagarre. Ah, oh, c'est charmant. Qu'est-ce que... Bonjour. Ah. Oui, bon, on peut pas s'attendre à des roses là, hein. Ou alors des roses sanglantes, quoi. Et là, on va avoir une belle flaque, et oui. On sent que c'est visqueux quand même, hein. C'est pas mal, là, c'est bien. C'est pas de l'eau, quoi. Bien sûr, quelqu'un va sortir de là, évidemment. Évidemment. Oh. Oh. Oh, le cassage de Huck. En règle. Dearest Mikaela. Mikaela? Oh, Marika, Mikaela. Malika, mais calme-toi. Je sais plus qui est qui, moi. Au secours. Welcome, honored guest. Bonjour Michel. Of oh, la belle tête. Oh, le beau gosse. Je te présente Jean-Jacques. Vous allez vous battre, moi je m'en vais. Allez, moi j'y vais. Hein. Alors. Et si on fait ça? Voilà. Le soin peut-être. Se soigner. J'ai tout utilisé. Faut partir Michel. Ouais. Mais quoi? Quoi? Attends, mais à quel moment? Quoi? Mais je peux pas l'éviter ça? Attends, j'ai pas compris ce que c'était que cette attaque. Jean-Jacques. Prépare-toi, Jean-Jack. Tu lui as mis tellement cher. Ah ouais, c'est vrai? Ah ben c'est lui qui m'a def. Hein. En attendant, c'est lui qui m'a def. Hein. Bonjour. Ah ben non. Ah ben non, il te défonce. Ah, oh, tout va bien. Ah, je suis caché. Jean-Jacques. Aïe. Ah ouais, d'accord, on peut pas se cacher quoi. Du coup, on peut pas se cacher. Attention, ouais. Reste pas là, Jean-Jacques. Oh bah, c'était pas du tout pour moi, ça. Comment je fais pour partir de ça, là? Il y a une marque. Il m'a laissé une marque. Mais comment je fais pour éviter ça? Jean-Jacques il s'en balèque. Il y a un mode où il est remplacé par Guts, je crois. Ah ouais? Oh, sympa. Alors attendez, parce que là je comprends pas comment on évite le truc là. En même temps j'y vais comme un bourrinasse.
Est-ce que je me tatouille? Bon, on va essayer comme ça. J'ai pas envie de faire 50 000 arrêts-retours. Je lui mets cher, cher. Après, j'ai pas allumé ma lampe. Voilà. Vas-y, Jean-Jacques. Jean-Jacques? Voilà. Mais que ce matin, parce que le pire c'est le matin. Sinon, bon. Ça va pas trop, Soléna? Faut éviter la marque. Ah non, non, non. Il me marque. Comment on fait pour... Je suis un peu malade, d'accord. Faut s'éloigner. Je sais pas, hein. Je comprends pas ce truc de la marque. Oh, c'est toi le Nus là. Comment ça? Ah mais c'est soigné! Oh le petit bâtard! Éloigne-toi, Jean-Jacques! Pas comme ça! Non, pas toi, Jean-Jacques! Pas comme ça. Non, pas toi, Jean-Jacques, pas comme ça. Qui va me tanker maintenant? Pas moi. Au secours. Il faut la paix. What? Yert. Ah, pas comme ça. Ah non. Ça c'est ballot, ça c'est double ballot. Et merde. Allez. Le double KO again! Le double KO again! Est-ce que ça va marcher? Ah non, ça n'a pas marché! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que ça a marché? Incroyable! Il y avait une cinématique, ça n'a pas marché du coup. Oh, la lose était intégrale. À moins que... Ah non, non, ça n'a pas marché, évidemment. Ah non, ça n'a tellement pas marché. Incroyable, sum. Ah, c'était drôle. Je me suis dit, allez, YOLO, plus rien à foutre. Non, pas moi. Il a aucun respect. Ah, la marque. Arrête, hein. Arrête avec ta marque. Ouais, d'accord, ok. Je te respecte pas. Le KO R, ouais, le RKO.
Le Kaorin. Ah non, non, non. Ah. Allez Jean-Jacques. On va le faire cette fois-ci. Quoi? J'avais pas eu ma vie. J'avais pas eu ma vie. Mais quel blaireau. Par contre, tu mets des dégâts de turfu, c'est abusé. Ah ouais, c'est vrai? Ah, je me mets à hurler, quelle heure il est? Ah, oh, ça va, c'est que 22h47. C'est vrai, je mets des dégâts de turfu. Ah, mais en même temps. Regarde, je suis niveau 135 quand même. Niveau 135. Et on n'a pas fait 125 heures de jeu pour rien. De ouf, ton katana, il met des dingueries. Et encore, j'en mets qu'un seul des deux, là. D'ailleurs, ça sert à rien. Je pense que je n'ai pas besoin de me défendre. Par contre, Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques, on ne va pas dire non à Jean-Jacques. Hein. Clairement pas. Non, non, c'est Jean-Jacques. Direct. Allez, Michel. Tu veux faire des... Voilà. Tu te soignes, par contre. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à mourir en boucle? Ah mais quel BG ce Jean-Jacques. Regardez-le avec ses petites roulades là, on dirait un raton laveur là. Et moi j'arrive par derrière. Et moi j'arrive par derrière avec les attaques de... les attaques de ratasse. Hop là, c'est pas moi. Ah ouais, d'accord. Ah, ça n'est pas content. Arrête. Arrête. Jean-Jacques, non, le finis pas. Ne fous pas la honte. Allez. Ah, c'est Jean-Jacques ça, c'est Jean-Jacques qui a tout fait, hein. Ah, c'est une rune majeure. Kawa. Souvenir du Seigneur du Sang. Mais je... Ah d'accord, on en est là. On en est quand même là. En vrai, bien joué, tu l'as éclaté à le... Ah oui, c'est le saignement ça, hein. Lui, il prenait le saignement, hein. C'est le seigneur du saignement en même temps, mais bon, visiblement, ça, n'a pas empêché que... Ah, c'est Jean-Jacques, il a tanké, Jean-Jacques a tanké, et puis moi, je suis arrivé par derrière, j'ai fait mes petites attaques, et puis voilà. C'est même pas de l'humilité, hein. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Pardon, mais qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais... Ah oui, d'accord. C'est de la pierre. C'est un caillou. C'est Mog, le seigneur des règles. Non, non, non. Les règles du jeu, évidemment. Les règles de la partie. Oh là là, c'est beau quand même. Putain, c'est beau, hein. Et là, hop, il saute. Mais, on connaît ça. Oui, c'est la Siofra. C'est la Siofrance. Ah, mais c'était le fameux truc qu'on voyait d'en haut et qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là, Stellou Vince, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et écoute, c'est pour toi que je suis allé vite, hein, mon petit Vince, hein, pour, parce que je savais que t'avais envie de voir ce combat. Ouh, ah, je suis éclaté. Et là, je suis censé aller voir Malenia. Ah, c'est où Malenia? Je crois que c'était par là, non?
je sais plus. Oh, je m'en souviens pas du tout par contre. Par là, non? Bonne nuit. Merci. Allez, gâteau. Merci, merci Solena. Merci pour le GG. J'ai tout donné. Ouais, je crois que c'est cette zone là. Je crois que ça doit être ça. Vraiment, on va enchaîner avec Malenia la direct. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Malenia, une fouet. Mais elle est où, Malenia? Elle est pas là? Il y avait pas un feu à côté de Malenia? Ah bah du coup, on n'a pas fini la zone, là, ici. Pff, bon, en vrai, tant pis. Hein. Tant pis, ça, j'ai pas envie de passer la nuit là-dessus. Rose fluo. Elle préfère t'imaginer un truc pour Rose. Au secours, des bisous, Stélou. Merci. Mais où est-ce que c'est? Canal? Racine? Non, je crois pas. Attendez. Ah, ou alors, attendez, peut-être que je confonds. Je crois que ça, c'est la sortie après le bain. Là, on est à la... Là, il y a un géant devant ou je sais pas quoi, là, non? C'est pas ça? Oui, il y a un truc, un avatar, là. La fameuse photo héros. Dit comme ça... C'est étrange. Est-ce que c'est par là? Non, mais c'est pas par là. Ah si, c'est par là. Mais on l'avait pas... C'est étrange. T'es persuadé qu'il n'y avait pas un feu à côté d'elle. On l'a pas pris. J'aurais fait ça. Bon, j'aurais pu faire ça, je suis le genre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je crois que t'as un TP proche d'elle en vrai. Mais c'est ici, non? C'est pourtant ça. C'est pourtant la zone. Oh là là, quel bordel ici. Et comment on avait fait des roulades? Ah oui, c'était les roulades. El famoso roulade. Blep. Oh, je suis en train de salir mes habits. Non mais... Je veux pas que je me... Mais non mais... Oh, il va me tuer. Oh, quelle zone d'enfer, quoi. La zone des enfers. De l'inferno. Ouais, mais fous-moi la paix. J'aurais voulu que tu fasses la commère et un bête héros avec la fameuse photo. Ah, mais je suis pas comme ça. Les commérages, tout ça, bon. On n'a pas un petit... Si je fais ça, ça fait quoi? Rien. Ouais, ouais, pas de dégâts. Ah si, ça proc du saignement quand même. Bien, mais Jérémy aurait quand même pu tomber dans le panneau. Même ma propre famille n'a pas de photo de moi, donc c'est pas qui va en avoir. Incroyable. Vous êtes incroyable. Je crois que c'est par là. Ah non, mais c'est par là. N'est-ce pas? Isn't it? Peut-être pas, remarque. Ah ben non. Ah si, il y avait une échelle là, non? Ouais, c'est... Ah mais ah non, c'est un cul-de-sac là, non? Ah non, c'est ça. Pas du tout. Peut-être c'est là en fait. Oh, je sais plus.
Ah! Non, c'est pas ça. Oh, la loose, quoi. Est-ce que vous vous rappelez où est Mikila? Tu te rappelles, héros, où elle est? T'as le TP, celui le plus haut de la zone. Celui-là, là? Et c'est celui que je viens de prendre. Bah, il me reste Mikila et le boss. Et le boss final des internets. Et là, c'est ce que je viens de faire. Ah non, j'ai combien, là? Combien j'ai de runes, là? Ah ouais! J'avais pas vu. Alors attends, mais qu'est-ce que je vais monter, là, du coup? Les Euterims à 30, c'était pas mal. Dextérité à 45. Du coup, on est à 50. Un peu d'endurance, peut-être, je sais pas trop. Un peu de foi. Je crois qu'il y avait un truc à 13, non? Et un peu de vigueur. Allez, va. Je lance vite. Ah, c'est gentil, merci. Désolé, hein, mais j'y suis bien allé. Je l'ai vu une fois, donc c'est quand même bizarre. Non, je suis persuadé que c'était par là. Ça, c'était la suite. Bon, c'était classe déjà. Cette entrée, je m'en souviens, elle était classe. J'avoue tout. Purifie-moi, tout ça. À la foot. Allez, on fait de la roulade. Malenia, the blade of Mikila. Mikila. Ah oui, c'est les. Ah ben. On se soigne en toute quiétude. Jusque là, tout va bien. Aïe. Est-ce que c'était par là? Peut-être pas, hein. Ouais, parce qu'on peut aller là-bas. Mais là-bas, c'était un cul-de-sac avec un... juste un monstre. À la con. Et peut-être que ça peut aller plus loin. Je l'ai pas. Mais c'est peut-être parce que c'est une... Comment t'appelles ça? C'est une... Une Marika, là, tu sais? Un truc de Marika. Et c'est peut-être pas... il y a peut-être pas une TP juste avant. Mais ici, on l'a pas découvert, ça? On est où, là? Ouais... Salle de prière, peut-être? Ah, désolé, hein, mais... Non, c'est pas... Ah non, ça c'est carrément le début. Ouais, exactement où tu es. Continue, sors et continue sur la gauche. Ah, peut-être c'est ça alors. Ok. D'accord, mais c'est vachement loin. Il me semble qu'il y avait quand même pas mal de choses à visiter avant d'arriver à... Malenia, là. C'est quand même étrange. Alors, c'est assez rapide. C'est vite ici. Ok. Par là, peut-être. Elle est là, moi. C'est la mort. C'est la mortadelle, là, si je vais là. Pas du tout accessible. T'es monté trop haut. D'accord. Avec cette zone, on l'a un peu traversée hyper vite. Ah, on était passé par là, je me souviens.
Bonsoir Mukama. Des bisous, bon courage pour le travail. Bonne nuit. Et merci d'être viendu. Ah, il ne manquait pas beaucoup pour un autre niveau. Mince, j'aurais dû utiliser, mais d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Désolé, hein, mais... Excusez-moi. C'était un petit chemin, mais là j'ai pas envie de perdre mes runes pour rien. Tu vas travailler ou tu vas dormir? J'ai déjà un peu ma réponse, je crois, mais bon. On sait jamais. Runes dorées, 8. C'était presque. D'accord, mais c'était pour... Attends, d'abord, il me manque combien, en fait? Ah oui, quand même, 130 000. Bon, il doit bien avoir un petit truc, là, qui vaut 30 000. J'ai jamais utilisé ces machins de runes de héros, là. Combien ça en fait? Ben voilà! Je vais dormir pour le coup. Ah, super. Mais je suis ravi de savoir qu'à 23h, tu vas dormir, mon petit Mukama. C'est cool. Je te fais pas une leçon, hein, je me couche tard. Hein, mais je sais que t'as besoin de repos. Pas de vigueur. Pas perdu, hein, la vigueur. Bon, alors pardon. On y était presque. Abruti Marne, il est parti. Mais là, comme ça, au moins, je peux mourir en boucle. Je m'en fiche. C'est dommage, quand même, de perdre toutes ces runes. Vous en conviendrez, tout de même. Là, on peut pas remonter. On est d'accord qu'on n'avait pas trop le choix. Hop. Elle était folle, cette zone. Sachant qu'elle est optionnelle, tout de même. C'est fou. Est-ce que je descends ou je monte? Peut-être qu'il faudrait aller là, non? Ouais, je suis pas allé là, d'ailleurs. Quand tu sors, tu continues sur la racine. Tu sautes sur le petit pont en pierre. Et là, tu prends la racine à gauche. Et là, tu suis jusqu'au balcon. Ah, dommage. Ah, c'est ça? Oui. Oh les casse-couilles. Oh les casse-couilles. Oh là là, arrête. Oh, je suis pas allé. Elle est à portée de l'âme. C'est dehors? Je suis jamais allé là, je crois. Oh, oh, ça a l'air bien chiant. Oh. T'es sorti, fallait à l'autre, de l'autre côté. Ah d'accord. Pourquoi t'as du loot, hein? Oh, ils sont bien relous quand même. Où est-ce que je vais là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas vu que l'échelle était aussi haute. Au secours. D'accord. Super. Ah, c'est vrai que je crois que je suis pas allé là. Ça amène quoi? Et ça fait quoi? Ça permet de remonter? Il y a peut-être un loot. Regardez, tout ça pour rien. Rien. Rien du tout. Tu fous ma gueule? Tu fous ma gueule là? Ah, on peut juste. C'est juste pour faire le tour quoi. Juste pour l'éclate quoi. Voilà. Non mais vous inquiétez pas, regardez, tout est sous contrôle. Aïe. Comment qu'on descend par contre? Ah oui, si c'est vrai, je me souviens. On était passé par là. Il y en a un autre? Ouais. Monsieur, monsieur. Aïe. Oh, ils sont relous. Non, je veux pas mourir. Mais putain, c'est chiant, ils sont chiants, c'était juste là. Bon, la prochaine fois, je me grouille, je me dépêche, j'en ai rien à foutre. Oh, pardon. C'est moi, j'ai mal géré. Je vois où c'est, ça va aller vite. Vraiment, ce jeu quand même nous pousse dans un retranchement psychologique. Bon,
Je sais où c'est, je sais où c'est. Vous voyez, là... Qu'est-ce... Elle a glissé, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'en même temps, les racines, c'est humide. Hein. Rip. Ah ouais, 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 t'as bien anticipé. Bien anticipé, mon cher monkey. Ah ouais, ouais, vraiment, c'est la rude épreuve, quoi. La rude épreuve. Ah, attends, cours pas, cours pas. Voilà. Là, il y a des mousses, t'as glissé sur une mousse. On l'a vu, hein, on l'a tous vu. Hein. On sait que c'était la mousse. La petite mousse. La mousse de trop. La mousse à fromage. Allez. YOLO. À la foutre. Je vous merde. Non. Quand je dis je vous merde, vraiment, c'est par... Quoi ? Yann... Je suis fatigué là. Ah putain, j'en veux plus. Va-t-il finir le jeu un jour ? Et non. Le level design tortueux de ce jeu. Tu l'as vu ? Si de grâce était devant ton cadavre. C'est vrai, non mais sérieux, et je l'ai même pas activé quoi. Comment ? Mais c'est la deuxième fois que je passe à côté d'un site de grâce, d'un boss, avec Ricardo aussi, c'était pareil. Ricardo. Le serpent qu'on a one-shot d'ailleurs. Pff, oh le pauvre, et c'est Jean-Jacques encore une fois qui a tout fait. Le pauvre Ricardo là, il a pas compris. Hein. On avait tous les deux là, la truc du... de la vipère là. Oh là là, il a pas aimé. Hein. Wow, il a pas tellement pas aimé. Arrêtez, arrêtez, foutez-moi la paix. Oh là là, quel ramdam. On est vraiment sur quelque chose de désagréable. Hein. Je peux tirer le levier en toute quiétude ou vous allez me faire chier? Ouais, restez là-bas. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Je te jure, prends une tisane, fume un joint, sinon tu vas exploser. Toujours regarder où on met les pieds, mon bon Iki. Mais je l'ai pas pris? Racine de l'arbre sacré. C'est le seul que j'ai pas fait, c'est ça? Mais si je l'avais... Putain, mais quel... C'est pas grave. Tout ça pour ça, quoi. Est-ce que... mais c'est... voilà, j'ai demandé lequel c'était. Vous m'avez dit... tu l'as pas, non? C'est pas ça? Comment ça, j'essaie de vous arnaquer? Pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est parti. Jean-Jacques. Ma petite lanterne. Et un petit peu de soin et c'est parti, quoi. Ouais, moi. C'est moi que tu dois attaquer. Ah, c'est plus donné la tête. Aïe, aïe, aïe. Attention. J'avais oublié à quel point elle pouvait être... Et regardez sa vie qui fait... Le meilleur katana du jeu. Ah ouais, c'est un katana ? Ah purée, ce spoil avait été plein de gens, on m'a dit tu verras, son arme est sympa, elle va te plaire. Alors, je m'en doutais que c'était un katana mais personne n'avait lâché le mot. Bravo héros. Bravo, bien joué. Plus envie de jouer quoi.
Tu vas arrêter de te soigner, oui? Je voulais te donner la force et courage. Non, je t'embête, Héro, t'inquiète pas. C'est vraiment pour... Je t'embête, parce que je m'en doutais très 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 grandement. Hein. C'est une arme qui te plaira bien, m'a-t-on dit plusieurs fois comme ça, là. Bon, avec mes deux katanas à la main, j'étais là... ah bon? C'est un marteau? Non. Non, c'est vrai. Ah merde, pardon, Héro. Oh, je te taquine, mais on se taquine un petit peu et... Excuse-moi. Non, mais en plus, je voulais pas t'embêter. Enfin, si, un petit peu, mais... Ah! Mon perso, il s'en va, genre... comme si c'était fini, mais c'est pas fini, mec. Hein. C'est Malenia. Malenia, elle va pas te laisser partir comme ça, hein. C'est là que le combat commençait, parce que juste avant, bon, oh, c'est classe quand même. Hein. Regardez. Oh là 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 là. Oh là là. Bonjour madame. Mais tu m'ennuies pas, c'est pas vrai. C'était pas fini, pardon. Pardon madame, excusez-moi madame. Non mais je te taquine, t'inquiète pas. Oh mon héros, attends. Mon héros. Ça va madame, vous avez pas l'air d'avoir une belle vision. Oh là 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 là. Non mais ils arrivent quand même à mettre en scène, hein. Ils mettent en scène, hein. Je suis désolé mais... Ça c'est de la mise en scène. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui Jean-Jacques, reste pas là Jean-Jacques. Non. Elle nous défonce. Ah là 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 là. Non, non. Allez Jean-Jacques, c'est à nous. Allez. Oh oui! Oh c'était beau! Bravo Jean-Jacques! Encore Jean-Jacques qui a tout fait! Incroyable! Oh, dear Mikola. Oh, dearest Mikola. My brother. I'm sorry. My match. Et là, il faut le refaire. Attendez. Ah non, ça a marché, c'est bon. J'avais pas vu que la putréfaction s'était emparée de moi. En vrai, je suis content et deck parce que ce boss m'a mis en PLS. Tu le one try. Non, mais c'est Jean-Jacques qui fait tout. C'est Jean-Jacques. Si j'avais été tout seul, je l'aurais fait 150 milliards de fois. Jean-Jacques, il fait tout, là. Moi, j'ai aucun mérite. Hein. Vraiment, si j'étais vraiment un tryharder... J'essaierai de le faire seul, mais je suis éreinté. Je suis fatigué d'Elden Ringo. J'adore le jeu, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer toute ma vie. Au moins. Mais ouais, là... Mais après, on a fait un petit build sympa, quoi. J'ai une bonne armure, je suis bien protégé. Ce katana, il est monté à donf. Jean-Jacques, là, il est monté à donf aussi. Il a, du coup, un des meilleurs katanas possibles. Enfin... Même si tu me dis que l'autre il est mieux. Attends, ça m'intrigue du coup. Quoi? Paf, paf. Oh là là, ce raccourci, merci. Hein. Merci beaucoup. Akerami. Pour le raccourci. Bah du coup, sans spoil, utilise les cendres de Malenia à la table ronde, près de la vieille des doigts. Tu verras, il y a une super surprise. Eh oui, d'accord, oui. Du coup j'avais compris que c'était l'arme. Ouais. Je me dirigeais
Mais non, c'est pas par là. Je m'y dirigeais, mais j'y allais pas. J'allais pas au bon endroit. Mais du coup, j'y vais. Je spoil pas. Non, mais. Bon, pardon, pardon, Aero, je voulais pas te. Je voulais pas te perturber. Acquérir l'équipement de champion. Ah, le casque. Et l'armure de Malenia, du coup. C'est une armure. Non, il y a un casque. J'ai pas vu ce qu'on avait chopé. Parce qu'il y a le casque de Malenia. Très classe d'ailleurs. À l'armure de Malenia. Ah ouais, elle est pas folle, mais en termes de dégâts, de défense, je veux dire. Mais elle a l'air classe. Chevalier royal. Ah, ça, c'est les gantelets de Malenia. Mais ce sont 7 d'armure complet, mais il est middle. Et ouais, il a pas l'air foufou. Hein. Après, peut-être qu'il fait un truc spécifique. Et donc. Alors attends, parce qu'il y avait Seigneur du sang là. Ah, et ça là, c'est quoi? Un petit fouet. Ah ouais, j'aurais bien fait un petit build double fouet aussi à un moment donné. Ou un truc comme ça. Ça avait l'air rigolo. Ça, je sais, ça, on connaît. La lame d'ébène, on connaît. Ah! Lance sacrée de Mogwin. Lance sacrée de Mogwin. Trident de Mog, seigneur du sang, une lance sacrée qui symbolisera un jour sa dynastie. Outre sa fonction d'arme, il permet de communiquer avec une divinité extérieure qui octroie son pouvoir aux porteurs de sang. Vissier, la mère de la vérité n'a qu'un seul désir, une plébéante. Le rituel de faveur sanguine. Vous brandissez la lance sacrée, transpercez le corps de la mère informe. Vous pouvez effectuer jusqu'à 3 frappes, générant à chaque fois une explosion de sang. Ah, c'est ça qui me faisait, je crois. Cette compétence enduit votre arme de feu sanguin pour une courte durée. Ah ouais, pas mal. Incantation sacrée de Mog. Non, toujours pas. 14 de fois 17 des os. Ah! Conjure de la flamme sanguine pour enflammer la zone face à vous. Ah oui, d'accord, ok. Let's go recommencer au fouet. Bah, peut-être qu'un jour je referai une run, mais là non. Pas tout de suite, je vais changer un peu de jeu. J'ai pas envie de faire. J'ai pas spécialement envie d'être associé à un jeu en particulier. J'aimerais bien faire des choses différentes, même si là on a quand même fait 135 pour l'instant en tout cas. On va peut-être faire 140 heures là-dessus. C'est beaucoup. Je pense que je ferai pas beaucoup de jeux à 140 heures. Ou alors j'arrêterai avant. Mais là, celui-là, je voulais vraiment aller au bout, quoi. Le découvrir jusqu'au bout. Et encore, je sais que j'ai laissé au moins 30% du jeu sans problème, si ce n'est plus. Hein, c'est New Game Plus où tu recommences avec tout ton stuff et ton level. Ah, je sais. J'ai vu ça. Mais non. Malenia. Main de Malenia. Katana. Eh ouais. Tranchant. Lame conçue. Elle est belle. Hein. Lame conçue pour s'intégrer à la prothèse du bras de Malenia. La consécration qui l'imprègne lui permet de résister à la putréfaction. Ah! Les prothèses de guerre de Malenia symbolisent les victoires. Ces victoires, certaines disent avoir vu des ailes apparaître lorsque l'arme fut brandie. Un présage d'une détermination à toute épreuve. Les danses acériformes. Vous vous déplacez avec aisance tel un acériforme avant d'effectuer un enchaînement de coups de taille vif et gracieux. Enchaînez cette compétence pour asséner jusqu'à 2 attaques supplémentaires. C'est beau. Conjure une énorme fleur qui explose et répand la putréfaction écarlate. Ah ouais! Putréfaction de Malenia progresse, elle a déjà fleuri à 2 reprises. À la troisième, elle atteindra véritablement le rang de déesse. Ah! Incroyable. Oui! I've got it! Ok. Eh ben écoute. Malenia, j'avais entendu parler de Malenia en disant c'était dur, mais oui, j'imagine bien, hein, quand t'arrives pas à la fin comme ça. Et que moi, je suis assez haut level du coup, mais. Ah, tu t'es mise ici du coup? I see. Ok. Ça fait plaisir. Bah écoute, ouais. Where is the katana? Je l'ai passé, hein, c'est ça? Ouais. Allô? Bon, j'ai compris.
Là. Ah ouais. Ah ouais. Très classe. Ça doit pas être très confortable quand même à tenir. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, mais bon. Renforcer une arme. Oui. Oh, j'en avais une. Heureusement. Quel beau et long katana tu as, Eki, n'est-ce pas? Tu as remarqué aussi? Paf. Je crois que... Ouais, je crois que c'est ça qui va se passer, c'est ce qui va se passer là. Le katana de... Je pense qu'il vaut mieux que je garde ça. En vrai, c'est ce qui va se passer là. Elle est bien en dex. Et un peu en force. Je peux la porter, on est d'accord. Ça demande quoi? 16 en force et 48 en dextérité. Ah ouais! Mais j'ai assez. Ah, j'ai 50. Ah oui, mais grâce au... Ah ouais, c'est juste en fait, en vrai. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente un peu ma dextéridad. Accumule du saignement. Ben, j'ai 50 grâce à... Ah, j'accumulerai moins de saignement avec les doubles attaques. Parce que là, ça a accumulé 91 de saignement quand même. Hein. C'est deux fois plus que ça. Mais ça fait quand même moins de dégâts. 236, 230. Et là, 286, 262. Oh, mon dieu que ça fait mal. Il y avait celle-là aussi qui était sympa, mais c'était trop lourd. Et voilà. Incroyable. Ouf. Et puis Z. Est-ce qu'on finit cette zone pour de vrai ou pas? Ou on va directement au boss final là? Je crois qu'il n'y a plus rien ici. Ah, je sais pas. Bonne fin de soirée à toi aussi, Monkey. Merci pour le lurk. Merci beaucoup. Des hiboux. Ça va, avec le travail des enfants. Ouais, quand même, je me sens un peu... C'est bon, j'ai toujours le bon truc. Essaie de faire une énigme, héros. Essayer de faire une petite énigme. C'est par là que je veux aller? Ouais. On va longer un petit peu juste cette corniche et après, en fonction de ce qui se passe. Il y a peut-être, remarque, un truc ici. Pardon. Bonjour. En tout cas, on peut invoquer Jean-Jacques. Qu'est-ce que ça signifie, mais... Vu ta map, je pense que tu as déjà battu. C'est possible. Là, en théorie, il me reste le coprophage. Il y a juste le truc du coprophage, mais ça, je pense que je le ferai pas. En tout cas, en plus, je crois que j'ai vraiment foutu le Zbul en le libérant. Après, je me suis dit, pourquoi je l'ai pas tué? J'en ai tué pour moins que ça. Hein. Les ours? Ouais. C'est là qu'on a trouvé le... Fais attention à moi, fais tes griffes, c'est bien. Tu es bien. Tu es bien. T'as libéré le coffrophage, bien joué. Bah, je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas où il est en fait. Je sais pas où on est censé le trouver. Il m'a dit viens me chercher dans les égouts, je sais pas quoi. Mais bon, ça avait l'air... Ça avait pas l'air d'être une bonne nouvelle quoi. Rune dorée 1, super. On en est là, quoi. Bon, par contre, on en a récupéré 6. Certes. Ok. Non, mais en vrai, je crois qu'on a fait le tour, là.
moins que. Non, non. Ah ouais, mais. Comment je fais moi? Faut ramener un ours là? Oh non, mais. Bon, j'ai la flemme. Tant pis, je sais pas ce qui. Je crois qu'il y a des pouvoirs là-dedans, je crois, non? Le big box de la zone où il y a une grosse tornade au centre. Oui! Maliket! Ça, c'est Maliket, non? T'as quoi comme rune majeure de boss là? C'est ça, c'est Maliket! La lame d'ébène! Toi, tu regardes pas les vidéos YouTube, toi. Ouais, on l'a fait la dernière fois. C'est Maliket. Alors, si c'est Taliket, alors. Ah, je crois qu'ici, on est jamais venu. Samedi. Ok. C'est comme Vivia, là. Non, mais je rigole. Là aussi, je t'embête. Dis donc, ouais, la bouboule là, elle est pas contente. Hein. Y a pas une petite, un petit site de grâce là, mais oui. Regardez. Je sentais, c'est tout ce que je voulais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un ça? Je m'en crande, madame. Un bouclier miroir en argent. Bonjour. Ça va? Madame? Monsieur? Tanji? Oh, j'imagine bien que t'as pas le temps. C'est normal. Tanji? Monsieur, madame? Et on peut plus appeler... on peut plus appeler Mélina, là. Mélina, elle nous fait la gueule, là. Ah, elle nous fait vraiment la gueule, hein. C'est bon, on l'a calmé, là? Calmer la tortue. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Hein. Ah non, et des fois, les Jelly, elle nous montre le chemin vers le décès, visiblement. Vers le sous de linge. Si, vas-y. Non. Non, non. Bon, ben. Si vous avez une idée. Ce qu'on pourrait faire avant le boss. Je ne frapperai pas cette personne. Je refuse. Ah d'ailleurs, je crois que je peux pas. C'est ça quand il y a la petite rune là. Ah oui, c'est ça. Je peux pas attaquer ici. Bah encore une fois, je sais pas si je peux dire ou pas en vrai. Bah en vrai, vas-y. Même pas peur, vas-y. C'est ok. Je te autorise. Au cas où s'il y a un truc. En vrai, on a fait quand même pas mal de choses hein, déjà. Tu vois sur la map quand même. Il me semblait. Je sentais qu'il manquait un truc ici. Peut-être qu'on a raté un truc là, mais. Par là aussi, ça sent un petit site de grâce intermédiaire. T'as réactivé les runes majeures des boss. Ah. Bah non, par exemple, Michaela, j'ai pas fait. Michaela, comment elle s'appelle Malenia, pardon. Malenia, on peut réactiver son truc de boss, là. Mog non plus, j'ai pas réactivé. Après, je crois qu'on peut le voir. Ouais, on peut le voir là, je crois. Linky! Oh my god! Bienvenido! Bienvenido! Hola, hola! Ah! Ah, au secours! Arrêtez! Arrêtez avec le raid! Non, non, pas le raid! Au secours! Calmez-vous, calmez-vous! Oh, oh. Bonsoir! Bonsoir les raiders! Bonsoir, merci beaucoup Linky! Hello! Ça va bien, merci! Merci pour le raid, c'est très gentil, ça va bien, écoute! On était en train de tranquillement en train de se balader, puis vous êtes arrivés avec vos météorites! C'est incroyable! Salut Galilee! Hello, bonsoir à vous tous et toutes et tous, évidemment. Ah, ça fait plaisir.
Alors attendez, on était... Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'étiez-vous en train de faire? Salut Delio. Ah, Diello, pardon. Je l'ai, Diello, excuse-moi, Diello. Et re... Re à toi, comment va? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire de beau? Qu'étiez-vous en train de faire de beau? Des jeux vidéo? Ouais, je suis sûr que c'était ça. T'es sur Céleste? Ah oui, Céleste. J'ai aimé faire Céleste. Je l'ai pas fait de long en large et en travers, mais j'ai pas récupéré toutes les phrases. Mais Céleste était très très cool. Surtout qu'en plus, ça parle de mon travail. Donc, c'était cool. C'est chouette. Very good game. This is a very good game. Non. Quoi non? Si. Si, c'est un bon jeu. Et bon, on va pas se battre, hein. Spoil pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Elle sait pas ton taf. Ouf. Comment ça? Linky? Bah c'est écrit de toute façon dans ma bio, hein. Ah, j'ai pas de secret. Ah si, j'en ai, mais j'allais poser la question. Aha! Aha! Ah, quelle est la thématique principale? Ah non, mais attends. Ah oui, mais... Ah oui, t'as raison, peut-être que ça... Mais je crois que c'est dit un petit peu dans le trailer. Ouais... Ah ouais, d'accord, t'as raison. Non, je sais pas. Dans le trailer de Céleste. Je sais pas, non! Est-ce que j'ai spoil? Non! Héros, tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Non, par rapport à Céleste. Hein. Pourquoi tu vas me dire par rapport à Elden Ring? Bon, sans doute. Je vais pas lire ta bio. Dans le doute, je vais pas lire ta bio. Oh, ben voilà, quoi. Quoi bon faire une bio si personne la lit, quoi. Vas-y, je suis trop deg. Alors, pas de spoil, hein. Ah mais pourquoi je fais ça? Attendez. Oh, attendez, je vais juste aller voir Jean-Jacques là-haut. Ah, pardon. Ça va bien se passer, vous allez voir. Il pourrait m'arriver d'affreux. Voilà. C'est bon. Non mais je connais Céleste et je pense que ton travail ne spoil rien sur le jeu. Oui, c'est vrai. Je pense pas non plus. Après, je sais pas où t'en es dans le jeu. Après, le scénario, il est pas non plus hyper poussède, genre... Au secours, quoi. Bah en tout cas, bienvenue à vous toutes et tous. Nous venons de battre Malenia avec une facilité déconcertante. J'ai un peu honte. Hein. C'est Jean-Jacques qui a tout fait. Jean-Jacques, c'est moi, mais en transparent. Mais pas du tout... Par contre, il donne pas des coups transparents, ça, c'est sûr. Hein. Ça... Or, ça se dure. J'ai une faible tolérance au spoil. Je pense que c'est pour ça que Diello a peur. Ah, d'accord. Et je te comprends. Je te comprends, non, plus. Hein. Moi, j'ai un pote, il ne peut pas s'empêcher de spoil des trucs. Donc maintenant, à chaque fois qu'il parle, qu'il dit « Ah, j'ai vu une série », je me tourne vers lui comme ça, ça fait un peu genre « Attention à ce que tu vas dire, hein !» Attention, hein. Ah, c'est terrible. Non, mais en vrai, ça va, j'ai eu peur que équilibre l'info principale du voyage de Céleste. Non. Non, c'est vrai. J'ai failli, hein. Franchement, j'ai failli. C'est pas mon genre, mais ça peut être une maladresse, tu vois. Une maladresse du genre, Céleste est sortie il y a tellement d'années que je sais pas pourquoi, dans ma tête, tout le monde le connaît, alors qu'en vrai, non, ça n'aurait aucun sens, hein, je... Parle d'un film, il a bien aimé, il raconte trop qu'à voir la fin. Ah, ça c'est terrible ça. Ah, tu l'as vu ça là, ouais. Oh, j'adorais ce passage là quand machin il fait ça. Ah ouais? Ah, peut-être que je t'ai dit la fin là. Ah ouais? Bon, mais je le regarderai pas alors. Ah non, c'est vrai que ça a plus trop d'intérêt. Mais c'était super. Hein. Une maladresse genre le katana. Ouais, non, c'est pas une vraie maladresse, t'inquiète pas, héros. En vrai, c'est bon. Le jeu, on l'a suffisamment saigné. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas le jeu qu'on a saigné, c'est le jeu qui nous a saigné. C'est vrai, c'est ça. Alors, héros, tu voulais nous dire un truc juste avant l'arrivée des météorites du raid. Ah ouais, t'as vu ça? C'est un chocobo?
C'est un chocobo de Final Fantasy. Attends, faut que je te donne... Voilà. Quand tu le vois courir, regarde, on dirait pas un chocobo, là? D'ici? Attention, hein. Ah oui, réactiver les runes majeures, c'est ça, c'est ce que tu me disais. Et voilà, et on voulait vérifier, et on voulait prendre aussi des niveaux. On a 467, mon dieu, j'avais pas vu. 467 000 runes. Montée de niveau. Pourquoi? La dextérité à donf, hein? Ah non. On va mettre 50. Oui. Et on va se prendre ces 60 000. Ben, je viens de te dire où le faire, mais bon, c'est vraiment ce que tu veux. Attends, d'abord on va voir... Attends, juste je fais un truc. Mais je vois à peu près à quoi ressemble un chocobo. Mais tu vois le truc, oui, moi non plus, j'ai jamais fait un seul Final Fantasy en vrai. Je suis pas trop fan des JRPG en vérité, mais le chocobo, je vois à quoi ça ressemble. Et de loin, je sais pas, quand il court, j'ai vraiment l'impression que c'est un chocobo. Il y a vraiment une grosse crinière. On n'est pas mieux qu'un dos de chocobo. C'est une chanson? Ah que quoi? Ah non, c'est pour toi, c'est le tien. Je viens de te dire... Attends. Attends. Je voulais faire un truc. Attends. C'était quoi? Combien il me manque? Il me manque... Beaucoup. 60 000. 61 000 même. Tous les gens ici qui n'ont jamais fait FF, je les défonce tous. Ah voilà, ça y est. Héros, on peut vite le trigger. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est un gros ourson adorable qui dit des trucs chelous des fois. Mais, il est adorable surtout. Mais des fois, on peut le trigger assez facile. Ouais. Ah, c'est une... Ah oui, d'accord, ouais. C'est une ref à... Ah ouais, mais comme je te dis, j'ai pas les rêves des FF. C'est dans tous les FF. Bah oui, mais vu que j'en ai fait aucun. C'est QFD. Je sais que ça vous rend trimst. Un streamer qui n'a pas fait... Regardez, pile poil. Ah, presque, hein. Je vais manger, je laisse son live ouvert en attendant. Ok, merci beaucoup Linky, merci beaucoup pour le raid. C'est adorable, merci beaucoup. Et Céleste est géniale, tu verras. Enfin, j'ai beaucoup aimé parcourir... Faire l'ascension. Et voir le personnage évoluer. Et surtout faire les puzzles. Pour faire FF9. C'est la régalade. C'est cool. Pronto. C'est un personnage? Alors je sais, oui. I don't know. 10 000. Il me faut 11 000. Ça, c'est 11 000, ça. Ça, c'est 11 000. Non, ça. Le numène, là, c'est combien? 12 000. Parfait. C'est pas beau, ça, quand même. Utilise toutes tes runes, Eki. Pourquoi? Ah oui, après, pour le boss... Oh, ouais, non, mais là, c'est vraiment pour arriver à zéro, être tranquille et... Ouais, quoique, j'ai bien envie de monter... Ouais, remarque. Ah, c'est parti, le débat. Bon appétit à toi, en tout cas, ouais, Linky. Alors, qu'en est-il de ce candidat? Est-ce que j'utilise mes runes? Vraiment, on s'emmerde dans cette VOD, hein. Excusez-moi YouTube, mais... Je temporise un petit peu parce que... Est-ce que j'ai envie de faire le boss final sur une derdéder? Utiliser ça. J'aurais dû utiliser les deux. Ça va pas assez vite. Ah pardon. Paf! Ah ouais, on prend deux niveaux comme ça et c'est bon. Comment ça? C'est celui qui m'a fait découvrir le genre RPG fantastique, c'est forcément le meilleur. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça, qui ont découvert cet univers du RPG fantasmique. Et surtout du JRPG du coup avec Final Fantasy, ouais. Chrono Trigger aussi, il y avait pas mal de...
Elle est beaucoup, hein. Je dis pas le contraire. Excusez-moi. J'aime beaucoup, mais... Bon. Quand même, Final Fantasy reste le majeur. Il y a zéro débat. Bon point, cela dit. C'est le meilleur. Je fais moi-même une étude qui prouve qu'elle a été validée par moi. mise en perspective par moi et revalidée par moi. C'est bon. Incroyable. L'arnaque. C'est assez ou pas? Ah, je sais même pas si j'ai des nouveaux trucs là. J'ai vu une fois quelqu'un qui avait une espèce de protection. Moi j'ai pas ça. J'ai jamais trouvé ce truc. Dans la fiole, restaure les PV quand la mort est proche. Ah bon? Ah, c'est sympa ça. Restaure des PV. Ah, peut-être pas beaucoup. Bonne expérience. Données de validation, mon expérience. En vrai, il n'y a pas un que je déteste, je pense. Tu vois, finalement. Dans une fiole, déclenche une explosion. Attaque chargée. Ça, c'est nul. Feu magique, altération. Améliore la résistance et soigne des altérations. Ah, peut-être ça, c'est pas mal, ça. En vrai... Temporairement la foi, la force, récupération, endurance, PC Toto. Peut-être ça c'est mieux que les... Restaure la moitié des PV et améliore la résistance et soigne les altérations. Ah, c'est pas mal. Le gros débat FF7, FF8, FF tout court en fait. Je sais pas pourquoi je dis FF7. Bon. J'ai envie d'aller faire une petite tentative. Et tant pis si j'ai pas activé les runes majeures. Ah mais c'est ça que si, pardon. Je vais quand même arriver à le faire. On peut le vérifier là, héros. À moins que... Là on l'a perdu, j'ai perdu héros je pense. Attends. C'est où? Rune majeure. C'est là qu'on voit que je les ai réveillés, c'est ça non? Du coup là j'en ai que 3. J'en ai que 3. Tu peux vérifier que tu vas dans ton inventaire sans passer par un site. Ah d'accord, ok. Ah ouais, j'en ai activé aucune. Bah visiblement. Bah je sais pas où c'est en fait. En vrai, je sais pas, je suis tenté de le faire, mais bon. Je sais qu'il y en avait une là. Tour divine ici. Tu veux une explication ou Osef? Non, vas-y, je veux bien une explication. Ça me va, là, on est sur la fin. Au début, je voulais essayer de découvrir le plus de choses possible, mais là, je comprends, tu vois, je vois ce que c'est, mais je sais pas où c'est, j'ai pas forcément envie de chercher pendant 1000 ans, quoi. Surtout, enfin, j'allais dire surtout avec vous. Non, mais surtout alors que vous êtes là. Pas envie de... Il y a une rune de Malenia, c'est à la tour divine. La tour divine tout court? Il y a une tour divine de quoi? Parce que là, elles ont tout un nom, les tours divines. Il y en avait une là? La tour divine, pour aller, faut passer par le pont doré, un truc, à la capitale. Ah, celle dans l'eau. Ça là? Ah ça là? À tour divine isolée. Ah! Ah! Oui, mais alors c'est où? Là, par là, là? Ah mais là non, c'est pour aller à cette porte...
Oui, ou là? Ici? À la capitale, là où il y a l'arbre sacré, il y a un site de grâce qui s'appelle le Pont Doré. Ah. Peut-être là. Non. Merde. Caramba. Ah, mais. Trollenden. Trollenden. Ah, mais je l'ai pas alors. Mais tu l'as pas, je crois. Ah, merde. Je l'ai pas débloqué. Alors. En bas à gauche de la map. En bas. Là. Non. Attends, je vais faire une pause à YouTube. Pas de sens. On va chercher. Je reviens à YouTube. Re-YouTube. Retournons, nous cherchons. Monte sur cette tour, ça va TP au pont doré. Ah, ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Merci. Merci pour ce spoil accordé. Et bienvenue. Allez, gâteau. Ah, ben là, les gars, je me suis un petit peu stuff hein, depuis la dernière fois. Hein. Ah, je t'ai pas nettoyé les pattes à toi? J'ai pas fait la manucure? Eh ben, ça sera pas pour cette fois. Allez, un petit coup. Ah, ben non. Perdu. Je suis venu ici. Peut-être. Ah, faut le savoir quand même. Mais si, j'ai déjà venu ici, ça me dit quelque chose quand même. Ah, peut-être pas. Là, ils sont vraiment gratuits. Hein. Les pauvres. Oh, excusez-moi, est-ce que vous aurez... Pardon. Ah non, j'étais vraiment pas venu ici, quoi. Ok. C'est fou comme on peut passer à côté d'un truc. En 2-2. Mais je suis déjà venu ici. Ah non, je suis pas déjà venu ici? Ah, visiblement pas. Ah, mais je suis jamais venu en mode c'est les cendres et tout ça. Ah mais y a Jean-Mich. T'es pas mort toi, je t'avais pas battu déjà. Bonjour. Pas de moonwalk hein, mec. J'ai fait une roulade. Visiblement pas. Il est chaud quand même. Il est chaud patate. Je suis un peu bourrin. J'imagine que c'est là-bas. Ah oui, c'est vrai que c'était pas activé. Ça, j'avais pas vu venir. Excusez-moi, je rétablis la... C'est fini? Ah non, c'est pas fini, visiblement. Ah mon dieu!
Merci Galilée. 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 Tu te soignes? Merci. Merci beaucoup pour le follow. Je vais les merci pour ce bout de live. Et le débat. El famoso débat, évidemment. C'était le plus important d'ailleurs. Et pour toi, merci pour le follow en tout cas, c'est très très gentil. Très gentil. Vous, c'est vraiment très gentil. Ouais, tu vois, Hiro, il est pas rancunier. Il fait beaucoup de bruit, mais quand il se met à crier comme ça, même quand il arrive, des fois, je ne mange pas de graines, tu vois, il met à crier des trucs comme ça. Bisous à toi, en tout cas, et à bientôt aussi, si le cœur t'en dit. Merci Hiro, en tout cas, pour ce tips. En plus, c'est même pas comme si tu me montrais un truc que j'avais pas vu, je pense que je l'avais vu cette tour. En plus, si elle apparaît sur la map, c'est que je suis passé dessus, c'est sûr. C'est vrai? Ah mince! Désolé. C'était laquelle cette fois-ci? Tu pourrais me la remettre? S'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous repartager ta science de... Ta science du... Ta science de Camelot. Des lentilles, quelques feuilles et surtout beaucoup d'eau. Ah! Je crois qu'il y a des connaisseurs. C'est une recette dans Breath of the Wild ou comment ça se passe? Rune majeure de Malenia. Incroyable! Mais personne, vous n'êtes pas mort, vous? J'étais grave malade, du coup. Mais j'ai dit à mon oncle de décrire que j'étais mort, puis c'était plus simple. C'était plus simple, finalement. J'ai vomi encore et encore, et ben ça va. Mais ce que je vous ai dit sur le Graal, c'est que de la merde. Non, mais j'imagine tellement le truc. Alors, voyons voir. Ah, c'est vrai que je peux les regarder même dans mon inventaire, c'est pas grave. Rune Majeure. Radahn. Restaure les PV lorsque vous attaquez après avoir subi des attaques. Quoi? Mais c'est abusé ça! Mais c'est excessivement fort! J'ai presque envie de mettre ça. Parce que je m'en fous en fait de... Ah ouais ouais ouais. J'ai jamais utilisé aucune rune du jeu. Hein. Jamais j'ai utilisé un arc. Hein. Jamais. Never. Peut-être que là, on pourrait. Pour innover. Alors, c'est pas mal ça. Allez vas-y, on va essayer d'en trouver une autre. Qu'est-ce qui nous manquerait? Il nous manquerait qui en réalité? C'était au début, c'est ça? Ouais. Ah mais ça c'est pas la peine. Malenia, Morgoth. Oui ça c'est tout ce qu'on a. Augmente tous les attributs. Godric aussi est pas mal. Hein. Est-ce qu'il en reste? Il en reste encore? Tu crois? Mog, on peut lui ramener un truc. En fait il resterait que le coprophage finalement. Comme rune majeure. Tu vas à la tour divine d'Altus Sud, tu peux activer celle de Mog. Ah, j'ai vraiment pas compris ce que t'as dit, mais j'ai une intuition. C'est là, mais... C'est ça, là? Eh non, je suis pas mort.
Salut. La grosse intuition dit qu'il se gros cerveau, dis donc. Salut Riley. Riley qui renaît de ses cendres, telle la boxe, telle ma boxe, internet. Incroyable. Alors attendez. Après, tu sais pas où elle est, alors que tu la cites. Tu as le site de grâce, je t'assure. C'est vrai? Mais attends, non, Altus, c'est là. Non? Non? Mais c'est au sud. C'est une de sud. Église, non? Non? Mais c'est où? Plateau d'Altus, c'est ici, non? Tour illusoire, ça on l'a trouvé. Je mets un Savien. Ça c'est pas du tout au sud, ça. Oh merde. Altus Est. Mais tu me dis sud, non? Oh, j'ai mal lu. Dans ce cas, oui, c'est là. Ah mais oui, on y est déjà allé, sauf qu'il n'y avait rien. C'est normal, on l'avait pas tué. C'est pas grave. Merci beaucoup. Incroyable. Mais oui, bien sûr, j'aurais pu y penser, parce qu'en plus on l'a vu il n'y a pas très longtemps ça. Pas très très longtemps, c'était il y a un moment quand même. Voyons voir. Octroie la bénédiction du sang aux fantômes. Comment ça? Rune majeure du porteur de fragments Mog. Elle octroie à la bénédiction du sang au fantôme invoqué et confère une rune majeure fantôme en cas d'évasion réussie. Mog et Morgoth sont deux frères jumeaux. Ah! Leur rune majeure respective est donc de même nature. Cependant, la rune de Mog est enduite d'un sang maudit en raison de l'amour indéfectible qu'il porte au misérable pourpier souterrain qu'il l'a vu naître. D'accord. Ah. Ça veut dire quoi ça? Octroie la bénédiction du sang au fantôme. Est-ce que ça donne un truc à Jean-Jacques ça? Est-ce que Jean-Jacques est un fantôme? Est-ce que Jean-Jacques est un fantôme? Je crois que oui. Et voilà, ça y est, on a tout récupéré, non? Qu'en penses-tu? Te manque celle de Ricard. Ah ouais, t'as raison. Tout à fait. Ricardo. Après, je suis presque tenté d'aller voir le coprophage, là, mais... J'ai peur que ça déclenche une fin spécifique, parce que quand il a dit « ça va être le Zbeul », vous avez déclenché les fureurs du dragon, là, ou je sais pas quoi, de la mort, de la putréfaction et du décès. Ricard, celui qui a dévoré un dieu. Oui, c'est vrai, le dieu serpent, là. Une espèce d'hydre chelou. Il est très stylé, ce boss, d'ailleurs. Il est très chelou, mais il est très stylé. Il faut avouer. Il faut avouer. Qu'il est très... Qu'il est très stylé. Youhou! Alors, où est-ce que ça peut être, Ricardo? Ricardo. Ricardo, c'était par là, déjà. Est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce que c'est là? Non. Où est-ce qu'on peut récupérer Ricardo? Tour de Réna, ben non. Selvius, ouais. Tour de Rani. Héros. Te rappelles-tu? D'ailleurs, attendez, je viens de penser à un truc. Pas censé. Ah non, mais ça c'est quand il y a une grotte, ouais. Alors, t'expliquer cette rune, ça va être compliqué. Ah! Oh, sinon c'est pas grave, tant pis. Hein. Tant pis. Déjà c'était bien. Il y a une galerie plus ou moins cachée en Altus. Ah ouais, t'as un site de grâce tout près. Là? Ah non, ça c'est une cabane. Là?
Oh, merci, Roi. Je suis désolé de de faire toutes ces recherches. Mais si on peut le terminer là, et après la prochaine VOD, on fera que le boss. Ah, peut-être là. Ça, c'est une grotte, ça. En vrai. Ça, c'est des grottes. Juste un peu au sud, t'as un site de grâce. Genre une église. Ah, mais t'as... On l'avait. Haha. Exactement là. T'as vu ça? C'est bon ou c'est pas moi? Ok. Par contre, ouais, on va utiliser les... Ah, mais par contre, ça a l'air d'être un tout petit peu en contrebas, par contre. Par contre. Ce gros cerveau. Ben non, mais j'ai pigé. Il n'y a pas très très longtemps que... En réalité, quand il y avait un truc rouge, c'est qu'il y avait une grotte. Donc c'était rouge, rougi sur la... Jean, quoi? Ouais, on va peut-être pas passer par là direct, mais... Elle a l'air d'être la bonne... Le bon chemin, quand même. Il y a un truc qui descend, là, oui. Ah, c'est vrai que j'étais pas allé voir, là. Bah ouais, ben voilà. Bébé, il a fait le double saut tout seul. Il a fait le double saut tout seul. Ah, mais... Ce dernier message n'a plus aucun sens. Ah. Vraiment? Il y avait un site de Marika, là? Petit truc de Marika. Ah, tout ça a été calculé. Bah oui, mais des fois ça appuie deux fois. Ça a appuyé deux fois, là. Rien à voir avec moi, hein. Et ouais, j'étais jamais allé là. Terrible. Ah, elle est bien cachée. Ils ont mis des petits cailloux, là, pour qu'on la voit pas, hein. C'est des cuquiens. Allez, on fait ça, et après, on va au boss. C'est parfait, le timing est parfait. Merci, Hero. Tu nous as trouvé une activité parfaite. Ah, on aura trouvé quand même beaucoup de sites de grâce. Je suis sûr qu'il reste encore tellement de choses à voir. Bon. Mais non, je ne le ferai. Pardon ? Ouais, c'est ça, ouais. Je t'ai vu, hein. Galerie scellée. Oh là là. Toujours attendre qu'on me le demande pour rendre service. C'est ma devise. C'est beau. Bravo. C'est une belle devise. Sache-le. Quoi? Qu'est-ce que... Mais ça va pas? Ouais, bien sûr, tu vas te calmer. Tu vas bien te calmer, même. Pas de TP. Oh! Bah c'est... Elles étaient là! Incroyable! Ah bah écoute, vers 2h je pense. Jamais! Ouais, aux alentours de 2h. Je voulais pas. Ouais. J'ai presque envie de dire quand j'aurais battu le boss. Mais là. Oh, mais j'ai rien à faire là en vrai. Pierre de Forge 5. Bon, allez, on se dépêche. Ils sont tellement gratuits. Par contre, ils me donnent rien. En vrai, tu es... Vu tes dégâts, le boss de fin, tu vas lui atomiser le fiac. Bah, pas sûr, hein. Pas sûr, peut-être qu'il est dur, je sais pas, moi. Après, moi, je compte sur Jean-Jacques, hein. D'ailleurs, je pense que je vais pas utiliser Jean-Jacques au début. Je vais essayer de... Salut! Hey, Mr. Mike! Salut Ness Mike, comment vas-tu? Ça fait longtemps que t'étais pas passé, dis donc. Ça fait plaisir. Comment ça va? À combien d'heures de jeu du coup? Là, 135, 136 du coup. Comment vas-tu Ness? Ah, ça fait plaisir. On l'a vu tout à l'heure. 126, autant pour moi. 126, c'était 125 tout à l'heure. Tu as vu cette jolie fourrure? Oh. Je vais pas faire grand chose. Parfait en rejoint, il est fort, ça fait deux boss, je dis ils sont forts et tu défonces. Donc bon, je vais être poursuivi pour publicité mensongère à force. Au niveau des horaires, on est sur un parfait timing. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, ça va très très bien. Ça va plutôt bien.
Pourquoi tu parlais des horaires? Ah oui, on est souvent en stream en même temps, c'est ça que tu veux dire? Ah, c'est vrai que souvent je viens... Mais toi, t'es en stream beaucoup plus tard que moi en général. Là, t'arrives, tu vas être en stream, c'est ça? Ça m'étonnerait pas. T'es plutôt un oiseau de nuit, toi. Pour nous faire des... Pour nous faire des belles streaks. Alors attends. T'en es où d'ailleurs de tes streaks? Je crois que j'ai vu récemment, là. Quand tu streams, je dors... Et vice versa, oui c'est ça. Et vice versa. Bon, je prends, je prends. Je crois que tu nous fais des belles streaks à 30, à 20, là, une 20, t'as fait une 38, non? Je sais plus, la dernière fois je suis passé en lurk vite fait ninja. Ah, on se donne le relais, histoire que... 32, je me rapproche de mon PB. 38, le PB, oui, il me semblait bien que c'était ça, là, c'était le PB le 38. 38 c'est le PB. C'est beau, bravo. Franchement bravo. C'est là, regardez. Oh bah là, mais on les reconnaît à 2000 hein. GG Ness. GG hein. C'est beau hein. Je sais... Ah, il y avait des trucs là. Non quand même, on va pas laisser ça. T'as vu ce gros cerveau? Ah ouais, faites pas ça chez vous hein, vous allez avoir des problèmes. Ah c'est là, c'est là. Voilà. Et après? Et là t'as l'air d'un con Michel. Et ouais. Non ça va, ils ont pensé à tout. Allez, hop. Ils ont surtout pensé que... il y aurait bien un idiot qui allait sauter comme ça dans le vide. Ok. Quoi? C'est là, regardez, on le sait. Là, arrêtez, arrêtez. Où est-ce qu'on se dirige, As? Oscar. Je sais pas si tu l'as fait. Non, Elden Ring, ça te branche pas trop, non, Ness? Je sais pas. Je sais pas du tout, en fait. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Bonjour. Que puis-je pour vous? Okay, je vais descendre par là. Si, j'ai fait une boucle. Ah! T'as fini le jeu du coup, ouais, ça y est? Ok. Mouiha! Salut. Oh, belle esquive. Ah, mais t'es esquive très très bien. Oh là là, mais vous êtes combien là? Oui, je suis un peu trop confiant là par contre. Ouais, je suis un peu trop confiant. Calmez-vous les enfants. Allez vous coucher. Papa stream là. Non mais qu'est-ce que je fous avec cette fiofiole? Cette fiofiole. Non mais... Oh la cam. La caméra qui me troll. Non mais c'est pas du tout... Je te vois là Michel. Je te vois hein. Il fait genre le ninja là qui disparaît. Bonjour. Comment ça? Quoi? Comment ça? Oh là là, mais qu'est-ce que... Quelle est cette diablerie? À moins que... Ah oui, d'accord. Oh putain. Ok. Bah, fallait pas s'énerver comme ça. Ok. Un vieux croc. Très bien, très bien. Bah ça, c'est une triste vie, quand même. Ils sont voués à exploser, les types. Moi, je trouve ça triste. Ah, on peut descendre un peu, là. Ouais. Un grand morceau de pierre d'éclat. Ah, je sais pas si j'avais déjà vu ça. Ça me dit rien. Ok. Oh la blague. Voilà. Oh là là.
Bah en tout cas, GG, hein. GG, n'est-ce Mike, Mr. Mike. Oh, les filous, quoi. T'as vu ça, les filous? Juste derrière, là, ils te laissent une petite... Ils disent, non, y a rien, c'est que des tonneaux, hein. Tu parles. Tu parles, jamais rien avec toi. Ah, peut-être parle. Oui, regardez. Quoi? Ah bah non, alors là, gros cerveau n'est... Ah, tu n'as pas d'aile. Ah, tu ne peux pas voler. Mais quoi? Mais je vous espionne de mes deux oreilles. Très bien. Tu joues à quoi, Riley? C'est pas discret. Par curiosity. Le gros cerveau tout mou que je vois là. C'est tellement ça. Regardez. Non, ça peut pas être ça quand même. Non mais je rate un truc là? Oui, je rate un truc. Évidemment que tu rates un truc, mec. Mais je l'ai fait tout à l'heure ça. Quelle arnaque. Il fallait faire un saut de linge. Bonjour. Resident Evil 2, mais comme je suis sur PS5, je peux pas être dans mon canapé et sur le PC. Incroyable. Tous ces setups. Toutes ces entourloupes de setup. Eh bien, amuse-toi bien. J'ai jamais fait RE2. Eh bien. J'imagine. Hop là. On va essayer de pas décéder comme un kikia. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel descendre? Ah oui, là. Lol. Bonjour. Quel accueil. Quelle ramdam. Paf. Paf. Ok. C'est bon, on peut invoquer Jean-Jacques? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette porte? Oh, de secours. Je ne suis pas très objectif sur Resident Evil, c'est une de mes licences préférées, mais oui, très très bien. Avoir RE3 après celui-ci. Il n'y a pas d'hésitation à avoir... On envoie Jean-Jacques. Est-ce qu'il prend les... Ah, c'était pas plus ça, hein. Non, non plus, j'ai pas apprécié du tout. Tu peux te calmer, oui? Merci. J'ai fait RE7 dernièrement, il est vraiment bien. Ah! RE8 Village et... C'est pas la folie par contre. Ah ouais, d'accord, ok. Un espadon au seigneur d'Onyx. Très bien. C'est rigolo ce petit sort là. Bon, en même temps là, c'était anecdotique. Reality. Oh. Oh. Ok. Ah, faut vraiment le trouver quand même. Ah, Riley semble être quand même un expert. Mais après, des goûts, les couleurs, hein, tu sais. Moi, j'ai entendu le chaud et le froid sur ce RE8. Mais comme je ne suis pas un expert de Resident Evil, j'en ai fait un ou deux, je crois. Et encore, je sais pas si je l'ai fini parce que c'était sur la PS2 d'un des fils d'un ami à mes parents à l'époque. Non mais c'est sûr, je l'ai pas fait entier, c'est sûr. Mais ouais, voilà, je pouvais y jouer de temps en temps. On mangeait vite. Oh, on a fini, oh, on a fini, oh, ouais, c'est bon. Nous on y va. Hein. Vous-même, vous connaissez ces moments où vous alliez manger avec vos parents chez des amis et qu'il y avait quelqu'un à peu près de votre âge qui avait une PS2.
et pas vous. Ou une PS3 peut-être pour vous. Parce que c'est moi le vieux là ici. PS2 c'est vieux là, ouais, je sais. Personne n'avait une PS2 vous dans votre enfance. Elle avait déjà disparu. Elle était déjà morte et enterrée. Youhou! Incroyable. Je suis plein de consoles, oh. Même à mon âge, ah oui, je sais, mais ah, globalement, quand même, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui avaient une PS2. J'ai commencé sur Super NES, c'est beau. Rue majeure de Raycard. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, Ricardo. Radan. Eh ben, ah, là. Restore des PV à chaque ennemi vaincu. Ah ouais. Intéressant ça. Je me rappelle de cet ami prétentieux qui pensait me prendre sur Dead or Alive. Il a pas compris avec mes 4000 airs dessus. Ah ouais, c'est trop mon jeu ça. Ah ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et bam. Il me semble que je les ai toutes là. C'est beau. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, héros. C'est parfait. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Pour cette VOD. Nickel. Comme ça, dans 7 minutes. Et pour vous, quasiment instantanément. Il me reste 1h10 de stream. Ouais, mais là, j'ai dit que je finissais à 2h du matin. Enfin, je vais finir peut-être... peut-être bientôt. YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était peut-être un petit peu éparpillée, mais on a fait de belles choses tout de même. On a fait de belles choses. Je sais plus tout ce qu'on a fait, dans la vidéo d'avant et dans celle-là, mais on a fait de belles choses, je n'en doute pas. Merci à vous aussi dans le chat, particulièrement à toi, Hero, pour m'avoir aiguillé pour ces runes. C'est beau. Ça ne changera pas grand-chose, je pense. À part peut-être quand même celle de Michaela, peut-être qu'elle sera peut-être utile. Hein, je ne sais pas. Prends soin de toi, YouTube, et je te dis à bientôt pour cette certainement dernière VOD de Elden Ring, la 54, je crois, on verra.